C'est Sortex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare, donc qui est sorti hier pour moi. Donc pour vous ça risque d'être un petit peu avant. Ben en fait je l'ai précommandé, donc je l'ai eu le 3 novembre. Et puis non sérieusement j'adore le jeu, c'est très différent que tous les Call of qu'on a joué. Malgré ce que je croyais, on retrouve quand même un peu l'aspect de Call of Duty, genre, tu sais, on croit pas que c'est un nouveau jeu, on se sent quand même dans Call of. Donc non, vraiment, j'adore, je l'aime. Pour l'instant, il m'a l'air quand même assez cool. Donc, avant tout même de commencer, je vais vous présenter ma classe. Donc, je joue avec le HBR-A3, donc c'est l'arme que je joue. Quand je l'ai débloqué, je l'ai essayé, et puis vraiment, j'ai adoré cette arme-là. C'est une mitrailleuse. Il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur. Il y a 30 balles dans le chargeur, puis 60 balles à part. Mais sinon, vraiment, on peut tirer de proche comme de loin. Puis ça tire, ça tue quelqu'un en vraiment pas longtemps. Donc voilà, j'ai rajouté double chargeur dessus. Ben, en fait, je l'avais pas débloqué, mais c'est un truc bizarre quand on peut débloquer à chaque partie. Ben, pas à chaque partie, mais une fois de temps en temps, on gagne des coffres, puis dedans, on peut gagner des espèces de camo avec l'arme. Mais des fois, ça ne peut nous rajouter quelque chose, mais ça nous enlève, mettons, du visé. Donc c'est ça que ça m'a fait. Moi ça m'a rajouté double chargeur, mais ça m'a enlevé du visé. Mais sinon voilà, hein, un de visé c'est pas grand chose. Sinon j'ai rajouté une poignée, puis c'est pas mal ça. Sinon pour le pistolet, j'ai pris lui de base, je l'utiliserai même peut-être pas une fois dans le gameplay. Mais voilà, de toute façon je le trouve pas super, je pense que j'ai tué aucune personne avec. Mais voilà. Sinon pour les atouts, j'ai pris comme atout premier profil bas. Ça je me rappelle plus vraiment c'est quoi sérieusement. Faudrait chercher un peu, mais voilà. Sinon atout 2, invisible. Ça c'est pour par le radar, on se fait pas voir par le radar quand il y a un UAV ou des trucs comme ça. Et atout 3, le robustesse. Donc quand on se fait tirer dessus, on tressaille moins, on bouge moins. Sinon c'est super cool. Puis pour l'exo, parce que voilà, c'est nouveau. J'ai pris Exo Simulator, donc je crois que lui c'est que ça nous rajoute de la vie. On a plus de vie quand on se fait tirer dessus, ben on meurt moins vite. Bon, je trouve pas qu'il y a tant de changements que ça, mais bon, je l'ai mis pour voir. Puis voilà. Donc, comme vous l'aurez vu sans doute dans le titre et dans la miniature, bon, la miniature je sais pas, mais dans le titre, je vous fais un concours aujourd'hui. Donc participer, je sais pas ça va être jusqu'à quand, sérieusement j'ai rien préparé du tout. En fait c'est parce que j'ai précommandé le jeu en français, puis il me l'a donné en anglais. Fait que je suis arrivé chez moi, je l'ai déballé, j'ai joué, j'ai entré le code, voilà. Puis le lendemain j'ai été le reporter parce que je le voulais en français. Donc il me l'a donné en français, puis j'ai un code, deux codes de plus. Donc que j'utiliserai pas parce que je l'ai déjà, voilà. Donc, il y a quelque chose à préciser, il y a un code, c'est pour avoir Xbox Live 2 jours, donc c'est pas grand chose, je sais, mais voilà, j'ai ça gratuit, donc j'aime mieux le donner que le vendre. Je sais que de toute façon, le vendre, ça servira à rien, donc voilà, 2 jours. Sinon, comme deuxième tirage, j'ai le code de Call of Duty Advanced Warfare D0. Donc en fait, qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute l'arbalète en or, le AK-12 en or et le EM1 Quantum, je sais pas comment on dit, en or aussi. Et l'exosquelette en or, donc voilà, tout en or. C'est quand même pas pire, vraiment c'est cool. Puis voilà, mais pour participer c'est simple, vous allez dans les commentaires, vous allez écrire je participe, soit pour les 2 jours de Xbox Live, soit pour Call of Duty Advanced Warfare. Donc
Je participez pas pour les deux parce que ça sert à rien. Si vous participez pour Call of Duty, l'espèce d'affaire pour avoir en or, c'est que vous avez le online, hein, vous pouvez pas l'avoir en solo. Puis si vous participez pour le online 2 jours, ben, c'est parce que ça vous servirait pas à grand chose. Parce que si vous avez pas le jeu en plus, ça servira à rien, bref. Puis voilà, faut que je le précise aussi, je peux pas tirer le jeu, hein. Donc voilà. Sinon, c'est ça, j'espère que vous participerez en grand nombre. Je suis en train de l'ouvrir. Ça peut que vous entendiez des bruits, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire un tirage bientôt. Je sais pas quelle date. Bon, on est le 4. Donc ouais, c'est ça, je vais le faire tirer dans 2 semaines peut-être. Je sais pas si ça va donner le temps, mais bon, voilà. Donc je verrai, tu sais, participer. Si vous l'avez déjà le cas, ben si vous avez déjà l'Xbox Live. Puis le truc, le pack, bah, participez pas, ça sert à rien. Mais voilà, pour ceux qui l'avaient pas précommandé puis qui l'ont acheté le 4, ça peut quand même servir. Puis les 2 jours de Xbox Live, bah, c'est parce qu'ils le donnent. Fait que je fais comme bon, ben, je vais le donner. Donc voilà. Donc je vais juste voir. Attendez, j'ai la gorge qui. Tac tac tac, oui, parce que quand même, mon gameplay il dure quand même. C'est pas la plus grosse partie. Je suis de base sur Call of, je suis pas un boss, mais je la jette pareil parce que j'aime ça jouer avec mes amis. C'est sûr que je rage normal, comme probablement tout le monde. Mais quand même, ça fait un petit gameplay correct. Je fais quand même beaucoup de kills pour moi, hein, personnellement. Puis voilà. Sinon, je vais vous proposer beaucoup de Call of. Hein. Maintenant, ma chaîne, c'est multi-gaming, c'est plus de GTA. Demandez-moi pas de faire du GTA, du GTA. Je vais faire ce qui me tente. Sinon, je ferai plus de vidéos. Puis voilà. Donc, il y a peut-être une espèce de série qui va sortir. Mais bon, c'est pas une série parce que je vais en sortir quand je vais vouloir. Puis. Bon, voilà, ça se peut que ça se finisse quand je le veux. Donc c'est que à chaque vidéo je présente, je joue avec une arme, puis je le présente dans la vidéo. Donc beaucoup de gens font ça au début quand que le Call of il vient de sortir. Puis pourquoi je le ferais pas, hein? Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. À liker ma nouvelle page Facebook parce que je me suis fait supprimer mon ancien compte. Donc mon ancien compte qui était lié avec ma page Facebook, ça fait chier un peu. Mais voilà, vous irez liker, c'est tout juste dans la description. Mon Twitter, je vais essayer de me mettre actif dessus. Je dis toujours ça, mais ça finit toujours, je suis pas actif. mais voilà, sinon il y a plein de liens dans la description si vous voulez me contacter. Je fais aussi du GFX, bref, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao! Thank you.